congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Ichali Gonza, était en réunion avec les commandants de grandes unités. Ce 6 septembre 2023, au centre de coordination conjointe des opérations. De nouvelles orientations ont été données aux militaires FARDC pendant cette période de cessez-le-feu, dont l'essence du respect des accords de chef des États membres de l'UAC. Affirmation du lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole des FARDC en province du Nord Kivu. Le général-major Ichari Gonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province du Nord Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité et il a donné des nouvelles orientations par rapport, bien évidemment, à l'attitude que doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuions à observer la trêve telle que voulue par les chefs d'État de la sous-région. Le général-major Ndourou Jacques Ichali Gonza continue de suivre de très près la situation des lignes de front au Nord Kivu. Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre à la disposition de la société civile Ville de Beni, oui, de nos compatriotes qui ont été kidnappés par les terroristes ADF-MTM dans plusieurs localités et agglomérations dans notre zone de responsabilité. Nous avons devant vous trois jeunes dames et aussi cinq garçons. Donc au total, nous vous remettons 8 de nos compatriotes. Ces compatriotes ont souffert dans la brousse avec les terroristes ADF-MTM. Les autres ont vu ce que les gens de leur âge ne peuvent jamais voir. Donc la société civile, c'est en tant que notre partenaire privilégié dans ces opérations, notre partenaire de confiance, nous vous remettons à chaque fois que l'armée enregistre des exploits pareils,
les jeunes après exploitation, bien sûr. Nous avons trouvé que ces jeunes sont des innocents et ont été exploités parfois sexuellement par les terroristes ADF-MTM. Nous pensons que vous êtes parmi les bons encadreurs et vous allez faire valoir les droits de ces jeunes pour qu'ils soient vraiment acceptés dans notre société, pour que le Congo retrouve ses dignes fils qui ont été perdus dans des mouvements terroristes qu'est ADF-MTM. Nous pensons que chaque compatriote qui est devant vous a son histoire. L'histoire vraiment malheureuse, l'histoire, donc le calvaire qu'ils ont subi auprès de ces terroristes. Et nous pensons que l'heure n'est plus au jugement et que quand ils vont rentrer dans la société va l'accepter tels qu'ils sont, comme les enfants qui sont revenus à la vie. Avec fierté, je vous remets un échantillon pour prendre soin d'eux. Et le plus âgé entre eux a 40 ans et le moins âgé a 19 ans seulement. Remercions d'abord l'espoir de l'armée parce que l'armée c'est une armée qui est professionnelle, qui n'est-ce pas à tirer de main de cet ennemi, les dignes fils et filles de la République. C'est autant que l'excès d'aujourd'hui ce n'est pas le premier, c'est vraiment la énième fois parce que de temps en temps lorsque la population qui était du reste kidnappé, qui a souffert dans la brousse, retrouve la liberté, ça doit être une joie non seulement de leur famille, mais la joie de toute la République. Comme le capitaine l'a dit, ils ont souffert dans la brousse. Et que donc nous avons l'obligation comme société civile, comme famille, comme communauté, de les accueillir et de les encadrer comme il le faut pour qu'ils oublient ce qu'ils ont vécu dans la brousse. Cela dépend, n'est-ce pas, de notre obligation, comme société civile, comme coordination, de les remettre dans les familles respectives. Et ici, c'est encore l'occasion pour la société civile de demander à tous ces mondes, toutes ces personnes qui ont adhéré, peut-être par leur propre volonté, peut-être par la ruse, si vous trouvez qu'il y a moyen de fuir, il faut venir. L'armée est là pour vous encadrer, pour vous accueillir. C'est une armée républicaine qui connaît, n'est-ce pas, qui applique les droits de l'homme et les droits humains. Et donc, nous demandons à toute personne qui nous écoute au travers ces micros de bien vouloir les encadrer, ne pas s'adonner à la société populaire. Si quelqu'un quitte la brousse par, n'est-ce pas, l'exploit de l'armée, il faut l'accueillir et la ramener, n'est-ce pas, auprès des chefs locaux. Et au reste, les chefs locaux devraient, n'est-ce pas, les ramener vers les services de sécurité pour orientation et exploitation. Dans son adresse à cette population à Bambou, une entité située dans le groupement Yalala, secteur de Walendou-Djatse, à Djougou, en province de l'Ituri, le général-major Chirmwami Peter, commandant de la 32e région militaire, a rappelé que les animateurs de l'état de siège sont venus en Ituri pour accompagner les Ituriens à faire la paix. Les autorités provinciales que nous sommes, nous venons accompagner les Ituriens à faire la paix. Ce n'est pas nous qui venons faire la paix, parce que même si nous déployons un millier de militaires, si les Ituriens ne veulent pas la paix, il n'y aura pas la paix. Et donc, nous devons nous engager à faire la paix. Et de cette paix que viendra le développement. Cependant, plusieurs personnes se sont déplacées à cause de la guerre que les groupes armés ont épousée, qui pour le général-major Chirmwami Peter, une perte totale pour la République. Aujourd'hui, nous avons 1 600 000 personnes déplacées. Vous vous imaginez ce que ça représente comme perte. Nous avons maintenant les enfants de la rue. On me dit que c'est un phénomène nouveau au niveau de l'Ituri. Tous ces déplacés ont déversé leurs enfants dans la rue parce que les enfants ne vont plus aux études.
études. Et c'est malheureux pour nous. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir après 10 ans? Ça signifie que l'Ituri va reculer sur le plan intellectuel, sur le plan de développement. Et cela ne va pas nous avancer. Il s'y est rappelé qu'après la signature des protocoles d'accord d'Arou, une feuille de route a été mise sur pied pour des actions concrètes validant les engagements pris, parmi lesquels la restitution des biens et matériels saisis par les uns et les autres au cours des incidents enregistrés entre ces groupes armés avant ces dialogues d'Arou. Il faut aussi rappeler que la cérémonie des week-ends derniers à Bambou et la matérialisation de ces pactes symbolisant la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre communautés ituriennes pour une paix durable. Vous et rangez pour vous accueillir et rendre les honneurs. Ainsi, je vous invite à passer la troupe à revue. Détachement d'honneur, l'officier principal des gardes, Aliyetou, Maunda, Emmanuel. Le commandant du corps de protection des parcs nationaux et déserts protégés, le général-major Massibomba Albert, a effectué une mission d'évaluation de 15 jours dans les parcs nationaux de Kahuzi-Biega, au sud Kivu. Lors de son passage à Bukavu, il s'est entretenu avec le commandant de la 33e région militaire et celui du secteur opérationnel Sukola de Nord-Sud Kivu. La planification des opérations a été au centre de la rencontre. Une fois au parc de Kahuzi-Biega, il a tenu une causerie morale à l'intention des éco-gardes. Le commandant du corps PPN les a encouragés pour leur dévouement à la protection et la conservation de la biodiversité du parc de Kahuzi-Biega. Pour le moment, nous avons dans le corps PPN. Na viongozi nyimu kuna hapa, na mingie tuta ukimate, batakuwa nafanya proposition ya avasima. Pengine kuna baformasyo ingine, ataki spesialiste, tunapasu kwa promouvoir. Ni bakomanda, nyimu utakuwa na uwa detachment, na chef de section, kanafaya liste, bana ba propose, apara ba discipline. Pengine kuna discipline, chef de site anasinye, anatutumia, miye komanda corps PPN. Nous, on a service à nous, copie, réglée de DG, on a signé, on a obtenu à DG, immédiatement, il y a un an. On a pas paternel, tout le monde a un ministère et la défense. Pour avoir proposition, vous avez un camp, il y a un garde de corps PPN. Pourquoi on a ciblé deux centres, moi à côté à Bukavu, moi à côté à Ituri, ou à part, il y a une armée du CD. On a droit pour qu'on a battu. De Kahuzi-Biega, le général Massi s'est rendu à Goma, où un conseil provincial de sécurité d'urgence a été convoqué par le gouverneur militaire afin de résoudre les conflits autour de Nzula, une partie du parc national de Virunga, aujourd'hui spolié. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, province de La Tchopo, commissaire divisionnaire adjoint Kabea Makosa François, a présenté ses civilités au commandant 31e région militaire commandant en place, général-major Mujingamis Timothée. C'est lundi 4 septembre 2023. Au menu de leur entretien, ces deux autorités ont échangé sur les points sécuritaires, les conflits communautaires, les banditismes et les enlèvements urbains, le maintien de l'ordre public et à la police. Les FARDC vient en appui. Le général Mujinga a exigé une franche collaboration entre la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commissaire divisionnaire adjoint Kabea François a été accompagné par ses deux adjoints, celui chargé de l'administration du commissaire supérieur principal Douanguil Crispin et chargé de la police judiciaire, le commissaire supérieur Mouy. À la sortie, le commissaire divisionnaire adjoint s'est exprimé à ce sujet. Mais quand même, nous allons parler sur la situation sécuritaire de la province, de l'échange, de l'application de méthode de travail. Pour chercher à éradiquer ce qui m'a démontante à l'intérieur de la province. Une photo de famille a immortalisé la journée. C'était Kisangani, colonel Kawaya, mon homme folle. De
Dans le cadre de la réforme de notre armée, volonté affichée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo afin de constituer une force pour la défense de notre territoire. Avec le général Adjanga Christophe, directeur des études de stratégie et de planification des opérations au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, nous avons abordé le comportement du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo pendant les opérations, l'un des facteurs de la réussite des missions régaliennes de notre armée. Si je pourrais vous dire simplement que le comportement militaire, c'est une façon d'être, c'est une façon de faire que le militaire doit avoir, parce que le militaire fait partie d'une société à part, une société particulière, qui est régie par des règles, des coutumes qui lui sont propres, notamment avec discipline de fer, exemplarité, le modèle. Donc en gros, les militaires, le comportement militaire, c'est un comportement d'exemplaire, comportement de quelqu'un qui est loyal, comportement de quelqu'un qui est un bon citoyen, parce que n'oubliez pas que le premier citoyen, si nous voulons pouvoir le dire, c'est d'abord le militaire. Donc son comportement doit être un comportement exemplaire, avec une citoyenneté responsable. Donc si nous voulons parler du comportement militaire, en tout cas c'est un modèle de la société. Voilà, par rapport aux opérations militaires, parce que le militaire est toujours lié aux opérations, les opérations, en fait, c'est l'ensemble des activités qui sont menées par les militaires ou les forces armées pour prévenir une situation d'insécurité ou aussi pour amener la sécurité dans un temps ou dans un espace donné avec les moyens qui sont les moyens militaires appropriés. Et donc, c'est aussi une activité qui permet aussi de sécuriser la population et c'est bien. Voilà, si nous pouvons parler des opérations militaires, il y a plusieurs facteurs qui constituent la force d'une armée. Et le premier facteur, c'est la qualité du personnel. Donc une armée qui a du personnel de qualité, c'est une armée qui a beaucoup plus de chances d'être une armée forte. Et quand nous parlons de la qualité du personnel, nous voyons la tête, c'est-à-dire la formation, point de vue connaissance. Et nous voyons aussi la corps, c'est-à-dire le physique du militaire qui doit être très bien entretenu. Et le dernier élément, c'est l'esprit. Donc les trois dimensions, le corps, la tête et l'esprit doivent être développés. Et c'est ce qui permet à ce que la personne soit une personne de qualité. Alors, deuxième facteur, c'est aussi la qualité du matériel. Le matériel doit être performant, doit être adapté, si nous voulons avoir une armée qui est performante. Et le troisième élément, qui est le plus important, c'est le moral. Et d'ailleurs, Napoléon l'a dit dans ses expériences, que pour lui, ce qui compte, c'est le moral. Trois renseignants ont comparu jeudi 31 août 2023 devant la haute cour militaire à Kinshasa dans l'affaire ministère public contre le lieutenant-colonel magistrat Lukusa Katumbi Willy et consorts. Ils ont témoigné sur l'évasion des détenus Kabakaba en mars et Kabbala en juillet 2023, des faits reprochés aux prévenus Lukusa et Louvisa Diou, respectivement auditeur militaire de garnison de Kinshasa Gombe et son magistrat instructeur du dossier. Le renseignant sergent-major Fouamba a reconnu avoir extrait les détenus Kabakaba de la prison centrale de Makala sur mandat d'extraction signé par le prévenu Lukusa, le prévenu Louvisa Diou. À son tour, le capitaine Bobozo a avoué avoir exécuté le mandat d'extraction du détenu Kabbala émanant de la même autorité. Le prévenu Lukusa dit avoir signé les deux documents pour raison d'instruction du dossier en cours à son office. Le renseignant capitaine Monga, chef de pavillon militaire à la prison centrale de Makala, a été entendu par la cour pour savoir s'il y a un dossier établi après avoir constaté que les deux détenus ne sont pas rentrés en prison. Pour l'auditeur général, ministère public, le lieutenant-colonel Lukusa a émis le mandat d'extraction des deux fugitifs sans soubassement qui justifie cet acte. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire.
La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Amboka Nabiso.